Bonjour. Bonjour. Présente-toi s'il te plaît. Donc je suis Robert, je m'occupe d'un atelier vélo associatif à Marseille. Donc l'idée c'est de pousser les gens à faire du vélo à Marseille, ce qui n'est pas toujours évident, et de pousser un peu aussi les autorités à faire des aménagements, quoi. Deuxième question, pourquoi m'as-tu aidé? Ah ben moi c'est aussi l'occasion de rencontrer du monde, quoi. C'est l'occasion d'avoir une vie sociale, quoi, de faire. Et souvent ceux qui font du vélo sont en majorité des gens intéressants et bien, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres domaines, quoi. Et puis bon, ben voilà, moi je suis là pour aider justement ceux qui ont des problèmes de vélo, parce que bon, ça fait longtemps que je fais de la mécanique vélo pour mon plaisir, et c'est pour partager un peu ce que je connais, quoi. Troisième question, selon toi, c'est quoi le bonheur? Ah, bonheur, c'est faire un peu ce qu'on a envie de faire. Ça, bon, ça gêne les autres, bien sûr, mais oui. Et bon, là, c'est le cas, faire ça, faire des voyages à vélo. Le vélo, pour moi, ça intervient beaucoup dans mon bonheur. Mais après, tout le monde n'est pas pareil, mais pour moi, c'est le cas. Et si tu avais un message à transmettre, quel est-elle? Ouais. Ben, c'est de dire que le vélo, c'est économique, c'est pratique, dans tous les domaines, quoi. C'est pas seulement un sport, ça peut servir à tout. Ça pollue pas, ça coûte pas cher, j'ai dit. Et on va aussi vite en ville à vélo qu'en voiture, donc je trouve, voilà. Et puis ça entretient la santé aussi. Donc il y a des tas de raisons de faire du vélo, et j'aimerais que les gens le comprennent un peu. Est-ce que tu me fais un petit tour de l'atelier ou... Oui, ben voilà, donc c'est un atelier qu'on a depuis 3 ans. Bon, avant on était ailleurs, on a déménagé, donc là ça commence à être pas mal. C'est un peu pas très bien rangé parce que je suis un peu comme ça. Mais bon, donc on a des outils qui sont à partager. Bon, ceux qui savent faire, ils empruntent des outils, ils se débrouillent. Ceux qui savent pas faire, on les aide. On peut même faire à leur place s'il y a des gens. Moi, je suis pas pour obliger les gens à faire de la mécanique. Il y a des gens qui n'aiment pas la mécanique. L'important pour moi, c'est qu'ils aiment faire du vélo, quoi. Donc, s'ils ne veulent pas faire de la mécanique, je fais à leur place. L'important, c'est qu'ils soient au moins présents, quoi. On n'est pas un magasin où on laisse le vélo pour venir chercher tout près après. Oui. Voilà, et donc là, on travaille beaucoup à l'extérieur quand il fait bon, ce qui est encore le cas. C'est pour ça que ça soit pas trop rangé à l'intérieur, c'est pas trop gênant encore. Il faudra ranger un peu mieux pour l'hiver, mais pour l'instant ça va, donc on va beaucoup à l'extérieur. Comme on a de la place, depuis peu on a la rue qui est piétonne, donc avant il y avait des voitures, maintenant c'est piétonne, donc ça nous arrange bien. Oula. Vélo Sapiens. Bon bah, merci beaucoup. Mais pas de quoi. Et bon voyage. Merci.